C'est parti pour cette rencontre entre le Phoenix de Toulouse face à Chartres. Rencontre pour le compte de la 27e journée de Lidl Star League. Et on tourne sur cette base arrière avec l'ouverture du score d'Ayoub Abdi. Une base arrière assez dynamique. Le jeune joueur de 19 ans qui est également à la confiance de Tony Girona. Et Chartres qui marque, mais... hors secteur sur son bras droit et le ballon est perdu, hein, pas de faute. Derrière, on va mener rapidement cette contre-attaque avec Nemanja Ilić. Ouais, dans ce genre de situation, il ne rate que très rarement. Vanja Ilić, le frère cadet, qui lui n'a pas eu l'opportunité d'aller au tir en attaque placée ni de partir en contre-attaque. Ça a été un petit peu forcé. Secteur central par Koudinov, la faute et le carton jaune pour Sokolić. Vira, ouais, un petit peu châtié par Koudinov. Le jeu se poursuit, le tir par en dessous. La belle initiative de Martins Vira. Bonne défense des Toulousains qui contraint cette équipe chartraine à perdre des ballons et à être désorganisée dans le repli avec Koudinov. Ouais, là c'est une lucarne. Rien à dire avec le petit 1 contre 1. Oh, avec ce coup fou, que c'est bien réalisé avec Nemanja Ilić. Le fils de l'entraîneur Mathis Gardan, un petit peu trop haut derrière la part de Jeff Letten. C'est l'immédiate contre-attaque pour Pierre Hichel. Ouais, petite saute de concentration et une saute de concentration qui va être coupable. Ayoub Abdi, ouais, c'était visible, c'était lisible cette passe. Et derrière, ouais, c'est une situation qui va vraiment être défavorable à Ayoub Abdi. Ce sera 2 minutes, mais ce sera surtout carton rouge pour Ayoub Abdi. Avec Maxime Gilbert, avec Pierre Hichel, on a été très bon dans cette séquence. Et donc le fiston qui évolue au même poste et qui se bagarre là au sein de cette défense chartraine. Sadoun Tanzi, ouais, avec ce changement de direction, ce changement de rythme surtout de la part de Maxime Gilbert. Soudry, Pierre Soudry s'est repoussé par... Kim sonnait en scène, mais Henrik Jakobsen, lui qui a eu beaucoup d'échecs à 2 points des Nîmois, avec certes 3 matchs de plus. Le dernier tir pour Sergei Koudinov qui va toucher la transversale de Jeff Letens. La victoire de Toulouse, 24-22, elle a été longue. C'est tout de même le 4e succès consécutif des Toulousains qui poursuit sa belle période pendant que les Chartrains, eux, sont défaits pour la 3e fois consécutive. Sans avoir démérité ce soir.